Un jour, assis au salon avec notre père, paix à son âme à l'époque, notre père nous racontait un peu les belles joies de la Gécamines. C'est quelqu'un qui était assez important à la Gécamines à cette époque-là et il a eu à gravir beaucoup d'échelons. Il était vraiment quelqu'un d'assez important à la Gécamines. Alors, il nous racontait un peu les belles joies de son travail. En tout cas, on voyait dans ses yeux le plaisir qu'il avait de se souvenir de cette belle gloire de cette époque. Mais il y a quelque chose que j'avais vraiment retenu et qui m'avait marqué ce jour-là. C'est quand notre père va se mettre à raconter la chute de la Gécamines. Il va nous raconter comment c'était vraiment affreux. La Gécamines va quitter d'un point tellement haut vers un point vraiment bas. Et il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Beaucoup de ses amis et même lui-même avaient perdu beaucoup de choses. Alors, la chose qui m'avait vraiment tiqué pendant ce moment-là, c'était cette phrase que notre père avait sortie. Il a dit, « Beaucoup de mes amis sont morts à cause de la dépression parce que n'ayant pas supporté cette chute d'un point si haut à un point si bas. » Et la chose qui m'avait réjoui chez mon père, c'est qu'il avait dit un mot. Il avait dit quelque chose qui m'avait vraiment marqué. Il a dit, si j'étais attaché au bien et à l'argent, je serais peut-être moi aussi mort. Parce que beaucoup de mes amis sont morts, parce que ce n'était pas évident. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, au travers de cette phrase qui m'a marqué jusqu'à aujourd'hui, que quel que soit le niveau de gloire que nous pouvons connaître dans la vie, il vaut mieux se détacher de cette gloire et de laisser cette gloire à celui qui mérite toute gloire. Il faut réussir à se détacher de ces choses auxquelles nous avons attaché autant d'importance. Oui, c'est important pour nous, nous aimons ces choses, mais vient un moment où nous devons vraiment réaliser que tout ce que nous atteignons sur cette terre n'a pas le mérite d'être attaché totalement à nous. Nous devons apprendre à nous en détacher et très vite. Que le Seigneur nous aide à nous détacher de ce que nous pensons être aussi important. La seule personne sur qui nous pouvons et nous devons nous attacher, c'est Dieu. Dieu seul mérite notre attachement. Toutes les choses de ce monde peuvent périr d'un moment à l'autre. Shalom, que Dieu vous bénisse.